العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo. Je sors de là, on vient de visiter le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vraiment, après avoir fait cette visite du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est enterré ici dans sa mosquée avec son compagnon Abu Bakr al-Siddiq et le compagnon Omar ibn Khattab, les deux premiers califes de l'islam, après avoir fait cette vidéo, on voit tout l'amour qui était porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, et cet amour qui continue aujourd'hui d'être porté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des millions de gens qui viennent pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils viennent se recueillir devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils viennent exprimer le sentiment d'amour, de gratitude pour tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Et cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui est demandée, que lui-même a demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, aimez Allah pour les bienfaits qu'il vous donne et aimez moi pour l'amour d'Allah et aimez les membres de ma famille pour mon amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aimés et il ne demande que notre amour sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour, regardez comment Allah tabaraka ta'ala nous dit l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait pour nous. Il nous dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Il vous est certes venu un prophète de parmi vous. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Sur qui pèse lourd les difficultés que vous subissez. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Il est bienveillant envers vous. حريص عليكم. Il est protecteur, il cherche à vous protéger. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Et qui est clément, plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Voilà parmi les qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la clémence, la compassion, la miséricorde. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est touché parce qu'il nous touche. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que il nous dit, ma vie est un bien pour vous et ma mort est un bien pour vous. Et il explique, comment ça, comment est-ce que la mort de prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être un bien pour nous? Et bien il explique, il dit, lorsque vos actions me sont présentées, si je vois un bien, je remercie Allah pour ce bien. Et si je vois un mal, je demande pardon à Allah. C'est-à-dire que cette compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce qui était là avant, pendant sa vie, elle est encore là après sa mort. Si tu commets un péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec toi et il demande pardon pour ce péché. Et si Allah te couvre d'un bienfait, tu as oublié de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien lui, encore une fois, il est là, il est compatissant, il t'accompagne et il remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait qui t'a touché. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, depuis cet endroit béni, depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il facilite chaque entreprise, les entreprises de chacun d'entre vous, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous protège et vous accompagne dans chaque moment de votre vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.